Les championnats d'Europe de course en ligne junior et moins de 23 ans ont officiellement débuté ce mercredi avec la cérémonie d'ouverture sur le stade nautique international Didier Simon. 34 nations sont présentes à Mantes-en-Yvelines, ce qui représente 770 athlètes qui vont tenter de décrocher les 43 titres en jeu. La compétition a été ouverte par le président de l'Association européenne de canoë qui a fait le déplacement. J'espère que l'organisation sera bonne pour la FFCK et ses partenaires. J'espère que les jeunes compétiteurs seront heureux de courir ici pour devenir champions d'Europe. Having competed here to become European champions. C'est la première fois que je viens ici et je trouve que ce site est très bien, c'est un lieu idéal. C'est un grand événement et c'est très bien, je suis très heureux. Je crois que certains de ces athlètes seront qualifiés pour Rio en 2016. Ils sont à mi-chemin et certains d'entre eux seront au JO, j'en suis sûr. Certains de ces gens seront certainement aux Olympic Games, c'est sûr. La cérémonie d'ouverture était sobre avec un défilé des porte-drapeaux, laissant ainsi les athlètes au repos en tribune. Le début des courses marque une étape pour tous les volontaires et le comité d'organisation qui s'est investi dans cet événement. Organiser une telle manifestation à Mantes-la-Jolie était un vrai challenge et le top départ ravit les différents acteurs. C'est un grand moment, je suis encore très émue parce que j'ai trouvé que cette cérémonie d'ouverture était particulièrement touchante et c'est vrai que c'est un bel événement et voilà, ça promet. On attend des performances des athlètes de haut niveau qui vont s'exprimer sur notre bassin d'aviron. J'attends surtout que les gens soient heureux, que le public prenne du plaisir et que la fédération soit satisfaite de cette organisation et voilà, et que toutes les personnes qui ont contribué à faire de cet événement ce qu'il est aujourd'hui, soient satisfaits. Pour l'équipe de France, c'est Julie Cailleré, athlète de canoë, qui a eu l'honneur de porter le drapeau le jour de son anniversaire. Les Bleus sont arrivés mardi à Mantes-la-Jolie, après un stage à Vaires-sur-Marne. Pour tous ces jeunes athlètes, c'est une chance, mais aussi une pression particulière de courir un grand championnat à domicile. Mais l'équipe semble prête. Déjà, on espère que les sportifs vont réaliser tout leur potentiel sur les différentes compétitions, donc à la fois les collectifs juniors et le collectif moins de 23. Et puis on espère surtout qu'on va partager aussi un moment fort avec nos supporters. C'est assez rare d'avoir l'opportunité de faire une compétition en France. Donc j'espère qu'on va profiter de cet élan qu'il y a autour de l'équipe de France. Pour les juniors, ça a été un petit peu compliqué parce qu'il a fallu gérer les épreuves du bac juste avant de venir ici à Mantes, en Yvelines. Donc c'est vrai qu'on a adapté la programmation de l'entraînement parce que, en termes de charge émotionnelle, préparer un championnat d'Europe à la maison et en plus gérer des épreuves du bac, c'est quelque chose de complexe pour des jeunes sportifs. On est arrivé mardi ici sur le site et là, effectivement, ils ont senti un peu l'effervescence. Nous aussi, on a senti que ça commençait à les porter, en tout cas, qu'ils se rendaient bien compte de l'enjeu. Donc je les sens, sereins, je ne sais pas encore. En tout cas, ils sont bien déterminés à s'engager sur les différentes courses. Ce jeudi, la compétition débute à 9h avec les séries du 1000 m. L'après-midi auront également lieu les séries du 500 m.